Allez, Benjamin. Allez, Benjamin, un seul Français s'est imposé ici à Bercy aux Internationaux de France. C'était à l'occasion de la première édition des Internationaux de France. Vous l'avez croisé tout à l'heure. C'est Laurent Barbieri. Magnifique. Une réception parfaite. Allez, Benjamin. Allez. Oh, le rythme qu'il met dans son... Super. Allez, on continue comme ça. Allez. Une double vrille tendue suivie d'une vrille avant. Magnifique enchaînement, très original. Il est porté par le travail public. Au sol des triples russes. Spécialité de Benjamin. C'est super. On apprécie la qualité de gym de Benjamin qui est très élégante. Allez. Le côté avec la double vrille. Ouais, c'est bien réceptionné. Il va chercher le moindre dixième. Allez, Benjamin, allez. Bien. Très beau, ça. Allez. Et la dernière diagonale avec une rondade triple vrille. Allez, Benjamin. Oui, un petit magnifique. Pas en arrière. Ça va lui coûter un dixième. Qu'est-ce que c'est bien exécuté, tout ça. Bravo Benjamin. On voit que vous êtes tous en train de vibrer les uns pour les autres quand vous êtes sur le praticable. Non, vraiment. Tu fais sourire, Laurette? Oui, parce que j'arrive pas vraiment à me contrôler quand je regarde même des coéquipières ou même des amis français. Et je suis toujours un peu stressée parce que je sais que d'où je suis, je peux rien faire, mais j'ai envie qu'ils réussissent. Mais alors lâchez-vous, hein. Il y a zéro souci. Hein, si vous avez envie de hurler, d'injurier, allez-y. C'est ce qui fait le charme aussi de. On passe beaucoup de temps avec, ensemble pendant la semaine, pendant l'année, et on partage des moments forts. Donc c'est beaucoup d'émotions de les voir comme ça aujourd'hui performer ici dans cette belle salle avec cette ambiance incroyable. Benjamin Osberger. Troisième à la finale du sol. Et qu'est-ce que c'est chouette finalement de commencer cette cérémonie protocolaire par un Français. Ça met tout de suite l'ambiance. Ouais. Les collines. Allez, Colline qui va s'élancer. Allez, Coco. Allez, Colline, allez. Magnifique. Waouh. Le thé est moindre. On voit le saut de Colline au ralenti et c'était vraiment un très joli saut. Allez, Colline. Magnifique. Oui, c'est parfait aussi là pour Colline, bravo. Bravo, elle va placer la barre très très haute, la Colline. Elle a encore de belles années devant elle n'a que 22 ans, Colline. Elle sera au top de sa forme dans 2 ans. Oui, exactement. Oui. En tout cas, c'est très agréable de la voir prendre autant de plaisir. Colline de Villard. À l'applaudimètre qui se tiennent, hein, Colline et Benjamin. Très belle récompense pour Colline. De retour de blessure. Et oui, mais une Française qui remet une médaille à une Française. L'image est belle. Allez, Mathias. 29 ans, Mathias Philippe. Allez, Mathias. Le Normand. Sale temps dessous demi-tour. Sale temps dessous une barre. Et la connexion, non. Mais ça enchaîne. Allez, Mathias. Allez. Temps devant Diamidov. C'est bien ça. Très bel enchaînement de Mathias, c'est vraiment sa spécialité. C'est fluide, élégant. Allez, Mathias. Un beau demi-tour. Allez. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. On va chercher la réception. Et le double avant avec un pas. Bravo, Mathias. Mélanie De Jesus dos Santos. Allez, Mélanie. Allez, Mélanie, c'est son retour à la compétition. Le sourire
Allez, Mela. Elle est concentrée. Faire abstraction de ce bruit, même si c'est un bruit positif, ce sont des encouragements. Allez, Mélanie. Une belle entrée. Oui, belle entrée. Hein. Très autoritaire dès l'entrée. Allez. Serre. Allez, allez. Faut pas lâcher. Chaque dixième est important, même s'il y a un petit déséquilibre. Allez, Mélanie. Allez, allez. Ce travail chorégraphique des bras qui caractérise vraiment Mélanie. Allez, super. Pli. C'est bien, allez. C'est bien, la connexion, super, c'est bien rattrapé. Allez Mélanie, le pivot, qui est une exigence. Le passage proche de la poutre. Allez, c'est pas terminé. Voilà, il lui reste encore un saut. Allez Mélanie. C'est bien. Juste un petit dixième. Et là, il faut rester concentré jusqu'à la sortie. D'ailleurs, très joli ce qu'elle nous présente aujourd'hui. Et, c'est une nouvelle sortie aussi. En rondade double arrière carpé. Oui. Bravo Mélanie. Superbe. Rectifier chaque petit déséquilibre. Donc, elle a rattrapé tous les petites équipes. C'est vraiment preuve d'une grande. Marine Boyer. Oui, c'est à Marine. Allez Marine. Marine qu'on retrouvera dimanche prochain à 19h30 dans un bel inside qu'on va vous proposer sur Sport en France. Allez Marine. L'entrée en changement. Allez Marine. La rondade tendue. Magnifique. Parfait. Une très belle entame pour Marine. Ah, elle manque une connexion, mais c'est pas grave. Très bien. Super, ça, allez. Garde le rythme. Très belle chorégraphie. Salto facial enchaîné du saut et carré du Sisson. C'est une très belle poutre pour l'instant. Il faut continuer comme ça. Très élégante. Le postal. Allez, Marine. Le salto japonais. Super. Très belle choré, Marine, très élégante. Le passage proche de la poutre, où elle peut souffler en même temps. Allez, Marine, la sortie. Ah, elle va être portée, poussée par le public. Allez Marine, allez. On va chercher la réception. Oui. Super mouvement de Marine. Voilà, superbe devant son public. Et l'ovation de la Core Hotel Arena. Pour peut-être à nouveau une médaille ici à Paris. 5 ans d'ailleurs dans cette même salle. C'est vraiment une belle poutre de la part de Marine. Elle a juste manqué une connexion, mais c'est vraiment pas grave parce que tout le reste était parfait. 13,750, elle est devant. Elle est devant Marine Boyer, elle est sur la plus haute marche du podium. Fêtez, célébrez Marine Boyer. Et donc le sourire, évidemment,
de la Française Marine Boyer. L'émotion de Marine, l'émotion qui a traversé tout le public et l'émotion...